Allô, Pizza Galassia, j'ai pas le temps de vous faire sur Internet. Bonjour. Bonjour et bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, édition 2024, dans le cadre de NIF Extended, donc les conférences qui sont le cycle de conférences qui sont liées aux aspects de la programmation cinéma du festival, notamment. Pour cette rétrospective, enfin cette table ronde liée à la rétrospective Eat the Rich, que nous avons appelée The Rich Gaze in General Cinema, on aurait pu l'appeler aussi Rich Exploitation, j'ai eu l'idée à déjeuner. C'était un peu trop tard, mais voilà, on a peut-être inventé quelque chose. Donc on est très heureux que vous soyez aussi nombreux et nombreux, car cette rétrospective est très importante pour nous. Elle est un peu la troisième partie d'une trilogie que nous avions entamée avec Scream Queer en 2022 et Female Trouble, continue avec Female Trouble en 2023, donc qui propose d'explorer des aspects plus sociétaux dans le cinéma de genre, car Dieu sait si le cinéma de genre a des choses à dire à plein de sujets, et de manière assez décomplexée, de manière plus ou moins frontale. Donc on est très heureux que vous soyez intéressés. Je vois beaucoup de gens dans les salles pour les projections des films, de certains films qui sont anciens, qui ont été beaucoup vus, donc merci d'aller voir ces films-là, car nous avons vraiment pris beaucoup de soin à faire cette programmation, et nous sommes très heureux de présenter cette table ronde qui va un peu thématiser différents aspects des élites, quoi, des élites sur le grill. Parmi les intervenantes, nous avons trois personnes très brillantes sur le plateau. Je suis très heureux de les accueillir. Donc, à commencer par Sophie Serrano, qui est doctorante FNS doc.ch en criminologie à l'université de Neuchâtel. Je la remercie aussi parce qu'elle m'a, je lui ai parlé un petit peu au début de ce, nous habitons dans la même ville, et nous nous sommes vus au début de la réflexion pour cette rétrospective, et elle m'a aidé en fait à faire une grille de lecture par rapport à comment nous allions procéder pour faire pour serrer les élites, les différentes élites, et faire des sortes de catégories, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Nora Wadzouni, journaliste indépendante, écrivaine et traductrice, qui écrit principalement sur le genre, les séries et l'alimentation, et qui est autrice d'un livre, Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Et puis je dois dire aussi qu'elle est dans le comité de la Déferlante, un magazine que je vous recommande vivement. Et pour modérer tout ceci, et pour, j'imagine aussi, amener sa pierre à l'édifice, Judith Beauvalet, que nous avons la chance d'accueillir à nouveau au festival, et qui est donc journaliste aussi, qui, notamment pour la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur, et pour Écran large. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Je laisse le plateau à nos intervenantes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Alors voilà, je suis ravie d'être ici entourée de personnes si brillantes, si expertes dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais rapidement introduire le sujet, n'hésitez pas évidemment, si vous le souhaitez, à m'interrompre, à commenter ce que je dis, etc., à intervenir. Et vous, cher public, vous aurez droit à un temps de questions à la fin, donc il ne faudra pas non plus hésiter à prendre la parole à ce moment-là. Mais à ce moment-là seulement. Donc, pourquoi Eat the Rich ? En fait, je pense que ça n'aura échappé à personne qu'on vit dans une époque où les inégalités sociales sont de plus en plus criantes et révoltantes. Qu'est-ce qui se passe ? Mon micro ne marche plus. D'accord. Ouais, ça, c'est voilà. La censure des riches. Et inégalité technique, inégalité entre les micros. Évidemment, on est dans une époque où, comme on le sait, les 1% les plus riches de la planète possèdent quasiment 50% des richesses. Toutes ces inégalités ont été évidemment augmentées, exacerbées suite à la crise du Covid, où les ultra-riches se sont d'autant plus enrichis et la pauvreté n'a fait que grandir. On y reviendra, mais il ne s'agira pas évidemment de parler que des ultra-riches. On va essayer de définir aussi au fur et à mesure de la table ronde un petit peu de quel type de riche on parle, à partir de quand on est riche. Est-ce que les riches sont une classe sociale? Est-ce qu'ils sont un monde à part? Est-ce que c'est plus pluriel et plus subtil que ça? On essaiera d'en parler. Donc, manger les riches,
Dans le cinéma, ça s'exprime, surtout dans le cinéma de genre, ça s'exprime au sens comme comme au figuré. Et pourquoi c'est spécialement pertinent dans le cinéma de genre ? C'est parce que je pense que, en tant qu'aficionados, ici, on sera à peu près tous d'accord pour dire que le cinéma de genre a toujours été un lieu de lutte sociale, un lieu dans lequel on peut faire des films grâce à la licence horrifique, des films plus iconoclastes, des films plus ou moins métaphoriques, justement, sur les choses qu'on vit, les combats, les choses qu'on a envie de dénoncer, tout simplement parce que c'est un cinéma moins prisé, moins reconnu souvent par la critique, et qui, sous couvert de métaphores, peut en fait avoir une parole plus libre et tout simplement plus violente aussi, parce que parfois on a besoin d'exprimer de la colère, surtout à travers un sujet pareil. Donc voilà, le sujet des luttes sociales s'exprime de plein de manières et à plein d'époques différentes dans le cinéma de genre, donc on va essayer d'explorer un petit peu tout ça. Voilà, et donc Sophie, si tu pouvais nous expliquer un peu, parce que alors Sophie c'est particulier, du coup elle est spécialiste en criminologie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce regard sur ce sujet-là ? Oui, donc je pense aussi que c'est important simplement que je me présente en deux mots pour que vous compreniez aussi d'où je parle et pourquoi je parle aujourd'hui surtout. Du coup, bah voilà, je m'appelle Sophie, je suis doctorante en criminologie ici à l'université de Neuchâtel et je travaille sur des individus ou des groupes d'individus, on va dire, à un niveau qui bénéficie dans la société d'un niveau socio-économique élevé. Donc, c'est ceux qu'on peut appeler les riches, les fortunés, mais aussi les élites ou alors aussi les dominants. Donc, ça dépend un petit peu dans quelle littérature on se place. Ils vont pouvoir avoir différentes étiquettes. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, en criminologie, on se concentre principalement sur ceux qui brisent les règles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui les font. Et du coup, les détenteurs du pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de dire ce qui est juste, ce qui est faux, dont les riches font évidemment partie. Du coup, moi, je suis très heureuse que le festival ait choisi d'aborder cette problématique, pas seulement parce que je travaille dessus depuis plusieurs années, mais aussi parce que pour moi, c'est quelque chose de crucial et d'éminemment actuel et politique aujourd'hui. Comme l'a dit Judith, les inégalités économiques se creusent, notamment, cela a été observé par les scientifiques, de façon assez connue par l'économiste Thomas Piketty, notamment depuis les années 70, la courbe des inégalités ne cesse de monter. Et ce, dans le monde entier. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est uniquement localisé dans un continent ou dans un type de société. Donc, Judith a déjà mis en avant le fait que 1% des plus riches possèdent presque 50% de tous les actifs financiers de la planète. Et pour illustrer avec quelques autres petits exemples, chez nos voisins français, les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs employés. Mais ça, c'est la moyenne, parce que le cas le plus extrême, c'était 1300 fois plus que son employé. Et même en Suisse, où on a un des salaires médians les plus hauts d'Europe et où on se plaint jamais trop de notre, on va dire, de notre, où on parle jamais d'argent, en vrai, ben en fait, 10% de la population a des difficultés financières et 5% doit, on va dire, régulièrement subir des privations matérielles ou sociales. Donc ces chiffres, ils montrent en effet que les riches s'enrichissent, mais finalement, pourquoi c'est important ? Parce que je veux dire, il y a un philosophe américain, je ne suis pas d'accord avec lui, mais un philosophe américain, Michael Sandel, qui disait, bon, ben, finalement, si les riches, ils faisaient que de s'acheter des montres de luxe, des vacances et puis des yachts, on s'en ficherait. Alors non, parce qu'évidemment, leur consommation a un impact sur notre train de vie. Mais on pourrait se dire, bon, ben voilà, s'ils font des trucs dans leur coin. Mais en fait, non, la richesse, elle implique une influence politique, elle implique notamment de pouvoir habiter dans un quartier sûr, de pouvoir acheter une éducation dans des établissements d'élite. Donc, en fait, la richesse, elle impacte directement tout ce qui est des questions de justice sociale, d'où, pour moi, l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Ça a aussi été martelé récemment par un Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui souligne que la domination économique se transforme rapidement en influence politique. Les plus riches peuvent s'opposer aux changements qui remettraient en question leur statu quo avantageux. Donc les riches, si on fait, là je le fais très brièvement, mais ils détiennent un pouvoir disproportionné et non démocratique. Mais il y a un autre résultat qui est intéressant, qui est partagé par mes recherches, mais aussi celles d'autres scientifiques, c'est qu'ils partagent aussi une idéologie
que je vais essayer de résumer en deux mots, qui permet de maintenir ces inégalités. Il y a d'une part tout ce qui est valeur néolibérale, donc vraiment dit très simplement, c'est d'avoir foi en le marché, c'est-à-dire de penser que les mécanismes de marché peuvent régler les problèmes économiques, sociaux et environnementaux. On va dire que la finance verte, c'est un exemple flagrant, mais aussi la privatisation des services publics, notamment de la santé. Et l'autre valeur sur laquelle s'appuie l'idéologie, on va dire, des riches avec un grand groupe, hein, justement, qui inclut pas forcément uniquement la haute bourgeoisie, c'est la méritocratie. La croyance, finalement, que les élites méritent la place qu'elles ont dans la société en raison d'une supposée supériorité morale, intellectuelle, voire même physique, parfois. Et ces croyances, elles ont vraiment pour fonction de légitimer les inégalités et les politiques qui favorisent les déjà privilégiés. Et là, je me suis totalement éloignée du cinéma, donc j'y reviens, parce que, alors, voilà, comme elle l'a dit, moi, je ne suis pas une experte en cinéma. Cependant, je suis une amatrice du genre fantastique et d'horreur. Et pour moi, en fait, je comprends ce genre comme ayant un rôle important de révélateur. Il permet aussi, et je pense par exemple à l'exagération, au travers de l'exagération de la violence, comme tu le disais, de pouvoir rendre visibles et intelligibles des problématiques qu'on nous fait tout le temps croire qu'elles sont trop complexes. Voilà, l'économie, c'est trop complexe pour nous. Enfin, voilà. Du coup, ça permet, à mon avis, de se réapproprier ces luttes et de se réapproprier, de repolitiser au travers d'un autre médium. Et je me réjouis justement de parler de tous ces exemples des films avec vous. Et je suis désolée si j'ai déjà pris un peu trop de temps. Mais... Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, justement, tu parles justement de la possibilité qu'offre le cinéma de genre de parler de ces choses-là à travers, de manière très incarnée, très physique. Du coup, là, je me tourne un petit peu vers Nora. Toi, avec le prisme évidemment que tu as posé via ton livre, on voit que dans le corpus de films qu'on a, et même dans d'autres films de genre qui abordent ces sujets, le motif de la dévoration est très présent, alors que du coup on est des personnages qui en mangent d'autres, ou alors simplement que le thème de la nourriture soit central. Je pense, alors dans American Psycho il y a évidemment de la dévoration du cannibalisme, dans Snowpiercer par exemple il y a la question de la différence entre la nourriture pur apport protéinée et la nourriture plaisir pour les riches. Il y a ça aussi dans Frogs du coup, où des riches se font manger par des grenouilles et autres créatures visqueuses. Pourquoi est-ce que tu penses, évidemment Sophie tu pourras répondre aussi, pourquoi est-ce que le motif de la dévoration cristallise à ce point-là les luttes sociales? Ce que je trouve intéressant dans le thème de cette rétrospective et dans ces films qui s'intéressent justement à ces rapports de pouvoir, ces rapports de classe, à travers le motif de la dévoration, c'est ce que disait aussi Sophie en introduction, c'est que ça agit comme un révélateur des mécaniques de prédation et de renversement du stigmate. Dans les médias, on a tendance, et dans les discours, alors j'aime pas le mot élite parce que le mot élite, c'est eux-mêmes qui s'appellent les élites et ça efface les rapports de pouvoir. Donc moi, je parlerai de classe dominante ou de riches, puisqu'ils dominent avec tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Mon micro marche plus. Si, c'est si, bon, ça y est. Si, on t'entend. Ok, je le tourne n'importe comment. Et donc, d'abord, la stigmatisation. Dans les médias, on a tendance à parler énormément du mode de vie des classes populaires, en disant, regardez-les, ces pauvres qui achètent des iPhones, comme Macron l'a dit par exemple, ils préfèrent acheter un abonnement Netflix que des légumes bio. Puis il a aussi dit, pour justifier le fait que le reste à payer en pharmacie allait augmenter, en disant que, de toute façon, les pauvres, je paraphrase à peine, ils préfèrent acheter un nouvel iPhone que acheter des soins, que se faire soigner, que mieux manger, etc. Comme si, effectivement, il y avait une question plus de choix. Que tout le monde avait le choix. Donc, on stigmatise les pauvres. Par exemple, à la télé, il y a un marronnier en France chaque rentrée des classes qui est les classes populaires achètent des écrans plats avec les allocations. Alors, c'est sûrement genre un magasin d'électroménager chez eux, parce que si à chaque rentrée, il y a un nouvel écran plat qui arrive, ça fait quand même beaucoup d'écrans plats. Mais donc, il y a ça. Et donc, il y a l'idée que les pauvres, encore une fois, on met des guillemets, ou les classes populaires auraient un mode de vie qui serait délétère pour eux-mêmes et pour les autres. Alors qu'on sait, justement, et là on vient sur la prédation, on sait que c'est le mode de vie des plus riches qui est le plus délétère et le plus nocif à tout le monde.
c'est pas juste à deux, trois personnes ou à eux-mêmes. Moi, je m'en fous que les riches inhalent du kérosène pour leur jet privé, en fait. C'est juste que ça fait chier le reste de la planète et ça détruit tout. Donc, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk, on les voit rarement stigmatisés à la télé, quoi. Et dans les films, à part dans les films de genre, justement. Et la dévoration renverse à la fois la prédation et le stigma. C'est qu'en fait, ces gens qui bouffent les ressources, qui bouffent le reste, parce que on parlait justement de méritocratie. On rappelle quand même que les milliardaires, c'est les héritiers. Hein. Le chiffre, il est pas loin de 80%, je crois, dans le classement Forbes. Donc, il n'y a pas de méritocratie. Papa, il a donné les clés de la boîte à la naissance et aux 18 ans. Puis, ils ont eu tout pour réussir. Quoi. En gros, ils n'avaient pas besoin de réussir parce qu'ils avaient déjà réussi. Et leurs enfants réussiront à leur tour. Réussiront. Donc, cette idée de prédation, elle vient aussi avec cette métaphore dont tu parlais, le côté métaphorique de les riches nous bouffent. Ils bouffent la planète, ils bouffent les ressources, ils bouffent des choses que les autres n'auront plus. Eh ben, on n'a qu'à les bouffer, nous, quoi. En plus, c'est zéro déchet de bouffer des riches, comme je dis souvent. C'est encore mieux que du compost, parce qu'il ne reste plus rien à part les os. Donc voilà, pour moi, cette idée intéressante. Mais, enfin, et, pardon, pas même, et ça fait penser aussi au motif de la dévoration des hommes par les femmes. Dans les œuvres de genre aussi. Je pense notamment au mythe du vagin denté, notamment le film Teeth, donc le vagina dentata, qui est dans pas mal de cultures hein, à travers le monde, à travers l'histoire, dans les mythes donc, des femmes qui auraient donc, un vagin avec des dents et qui puniraient les hommes qui essayent de les violer, par exemple. Et donc qui serait à la fois une espèce de cautionary tale pour les hommes agresseurs ou potentiellement qui penseraient à agresser des femmes, mais aussi quelque chose qui pourrait à la fois être très patriarcal, mais aussi très radical féministe, en disant, ben, en fait, on reprend le pouvoir avec ça. Je pense au bouquin de Chloé Delhomme qui est sorti il n'y a pas longtemps, où des femmes peuvent couper des phallus d'hommes violeurs. Voilà, comment reprendre le pouvoir. Et donc, ce mythe de la dévoration, il fait peur uniquement aux dominés. Aux dominants, pardon. Donc, la dévoration, là, en l'occurrence, les hommes sont la classe dominante sur le groupe femme. Donc, ça fait peur aux hommes de se faire bouffer par des femmes. Je pense aussi à la série adaptée des bouquins de Neil Gaiman, American Gods, où on a la reine de Saba qui, en fait, couche avec des hommes et qui les avale dans son vagin. On le voit à plusieurs reprises. Donc, ce mythe de la femme, parce que là, c'est vraiment la femme qui serait une femme très sexuelle, très active sexuellement, etc., qui, à la fois, qui est stigmatisé aujourd'hui encore, qu'il a toujours été, mais reprendre le pouvoir sur ce stigma et le renverser en dévorant la classe dominante. Et donc, sur cette prédation et sur ce bouffer les riches littéralement, c'est la manière de dire, bah, c'est à nous de bouffer maintenant, quoi. Alors du coup, pour rebondir sur ça, petite réflexion un peu ouverte, j'ai pas forcément la réponse, j'ai une idée mais j'ai pas forcément la réponse. Je me demande s'il y a un genre, en particulier un genre vraiment de prédilection dans le cinéma de genre, donc un sous-genre, pour parler justement de ces luttes sociales et pour représenter cette dévoration, parce que dans le corpus Eat the Rich du festival, il y a des films de toutes les époques et de tous les genres, mais on sait par exemple que pour parler de certaines angoisses politiques, les films de zombies sont particulièrement prisés par exemple. Est-ce que, voilà, pour la lutte sociale, est-ce qu'on est plus dans le fantastique, est-ce qu'on est plus dans le body horror, est-ce qu'on est plus dans le thriller, etc. Moi, j'ai l'impression que, justement, peut-être parce que ça va avec la dévoration, mais qu'il y a une tendance au body horror qui est... Ouais, bah alors peut-être... Vas-y. Bah, moi, spontanément, mais vraiment là, j'ai pas fait la liste dans ma tête, mais j'aurais dit justement que la grande force de ce cinéma de classe, c'est de ne pas être cantonné plus à un genre qu'un autre. Je pense à beaucoup de science-fiction, de dystopie, en fait. Oui, c'est vrai. Ou d'utopie. Mais qui justement verse là-dedans, on pense à Gattaca aussi, le génisme, on pense, donc c'est quand même les dominants qui choisissent ce qu'ils veulent choisir, on pense au meilleur des mondes, etc. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est tellement là, ces injustices sociales, notamment à travers la domination des riches, qu'on peut vraiment l'utiliser dans tous les genres, du cinéma de genre, tous les sous-genres, et que ça fera toujours sens, et que c'est ça qui est pratique, c'est très malléable, il me semble, comme sujet en fait. Pour être adapté à toutes sortes de cinéma de genre. Ouais, en fait, je le comprends un peu de la même manière. En fait, je ne sais pas si c'est juste malléable ou si c'est juste que c'est un problème qui nous atteint dans tellement de dimensions de notre vie qu'on peut utiliser vraiment différents genres, sous-genres, mais aussi médiums pour pouvoir l'illustrer, en fait. Juste, je rebondis sur l'idée de la dévoration avant. Ben, ça m'a fait vraiment penser, je ne sais pas si il y a quelques années, vous avez eu vent du Nutella Gate. J'en parle dans mon livre, ça a été très choquant comme épisode. Voilà, où en fait, justement, tu parlais stigmate, où les personnes dites pauvres, toujours avec des guillemets,
ont été, on va dire, shamées parce qu'elles se sont soi-disant ruées sur du Nutella en action, je ne sais plus dans quel magasin, grand magasin français. Et pour moi, en fait, cet épisode, il est révélateur de ce qu'en sociologie, grand sociologue français Bourdieu appellerait la distinction. Donc, en fait, c'est au travers des goûts aussi qu'on peut dominer, c'est quand on montre qu'on aime quelque chose qui est valorisé dans la société. Et je pense que justement, quand finalement c'est des zombies qui dévorent des riches, ben c'est renverser un peu cette hiérarchie de crédibilité, cette hiérarchie des goûts. Mais je pense qu'on peut aussi le voir dans d'autres styles où on n'a pas besoin de manger les gens. Mais je ne sais pas. Ou pas forcément. Il me semble que justement, quand tu parlais des dystopies, moi, ça me parle aussi beaucoup. On va, que ce soit dans Gattaca ou comme ça, on va jusqu'au bout de où pourrait aller une société finalement élitiste, vraiment au sens premier du terme. Voilà. Là où je pensais un petit peu au body horror, mais c'est vrai que c'est body horror un petit peu au sens large, c'est que j'ai l'impression qu'arrive avec la représentation des riches au cinéma, dans le cinéma de genre, un motif de métamorphose aussi, où les riches sont représentés avec des têtes d'animaux sur des corps en costume, en costard, ou alors le film Society, où il est question aussi de métamorphose et changement des corps dégoûtants. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu des motifs mythologiques de la mythologie grecque, les métamorphoses d'Ovide, etc., avec vraiment une transformation du corps qui vient témoigner d'un manquement moral. Et en fait, j'ai l'impression qu'on reprend cette mécanique aujourd'hui dans le cinéma de genre, mais appliquée non plus à des grands sujets, voilà, des quêtes d'honneur ou autres, comme on pouvait avoir dans la mythologie, mais cristallisées autour des questions posées par le capitalisme. C'est pour ça que j'ai l'impression que le capitalisme est vraiment le sujet, on va dire, d'une nouvelle mythologie explorée par le cinéma de genre, vraiment qui vise à faire des riches ces espèces de figures mi-infernales, mi-divines. Et du coup, je trouve que c'est intéressant la manière dont le body horror, pour le coup, exprime ça. Mais voilà, c'est pour ça que... Moi, ce serait plutôt le côté monstrueux, le côté créature, le côté pulsion. Justement, encore une fois, pour moi, ça, on revient à retourner le stigma en disant les classes populaires, regardez l'expression de la confiture au cochon. Moi, je travaille sur l'alimentation depuis longtemps, et justement, je parle des émus du Nutella, et je parle dans mon dernier chapitre de manger les riches, justement, du point de vue sociologique, les goûts, etc., surtout tu parlais de, notamment Bourdieu, on a donc cette phrase, la confiture au cochon, et vous entendez des gens dire, les classes populaires, tu les emmènes dans un resto étoilé, c'est donner de la confiture au cochon, les cochons, c'est les classes populaires. Sur le Nutella, dans mon bouquin, je fais un parallèle, je me dis, imaginons que la maison du caviar à Paris fasse des soldes. Moins 80% sur le caviar. Bon, je pense que beaucoup de riches vont se ruer sur moins 80% sur le caviar et qu'on va voir assez peu de classes populaires se ruer sur des œufs de poisson. Entendons-nous bien, j'aime bien les œufs de poisson, mais ce n'est pas le premier truc auquel je pense quand j'ai envie de me faire un kiff dans la vie. Peut-être prendre plutôt une tartine de Nutella. Et donc je me disais, si jamais un jour il y a des soldes comme ça, et que la télé ne le fera pas parce qu'elle stigmatise uniquement les dominés, mais fait ce qu'elle a fait, la manière dont elle a traité médiatiquement, et les gens, hein, nous aussi, hein, moi j'ai relevé des tweets de l'époque qui étaient abjects, de gens qui clairement viennent du même milieu social que les gens qu'ils stigmatisent, en disant « oui, mais regardez, ces pauvres, ils savent pas manger, il y a de l'huile de palme dedans, c'est de leur faute ». Si on déforeste, waouh, wow. Ah ouais, c'est quand même magique, comme bon, très bien. C'est vraiment le victim blaming. Je me disais, mais mettons que donc, et les médias qui disaient, regardez, les pauvres, c'est des animaux. Encore une fois, on en revient. En fait, c'est la déshumanisation des classes populaires. Ce que je disais au début, c'est on humanise par des vertus dont on parle les classes dominantes, parce qu'effectivement, la méritocratie, il n'y a que comme ça qu'on peut la justifier. Comme on peut justifier uniquement comme ça la colonisation. Le colonialisme, c'est ça. C'est déshumaniser les personnes qu'on colonialise, qu'on pille, qu'on viole, qu'on agresse, qu'on tue, en disant ils sont moindres que nous, hiérarchiquement, on se place au-dessus. Ça s'est fait à travers la bouffe aussi, la colonisation, la propagande de l'Empire britannique disait, alors attends, c'est pas mes mots, c'est les leurs, hein, c'est dans le bouquin de Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande, que je vous conseille vraiment, qui est incroyable, où elle raconte que la propagande de l'Empire britannique, pour justifier la colonisation, était, nous sommes les bouffeurs de steak, ce sont les bouffeurs de riz.
Nous sommes donc supérieurs car nous mangeons de la viande. Nous sommes la civilisation qui amène le progrès, la technique, etc. Eux, ils font quoi? Ils bouffent du riz. Je rebondis, je fais une toute petite parenthèse. C'est très intéressant comme c'est utilisé aussi de manière sexiste. À quel point les femmes sont stigmatisées comme mangeuses de salade. Alors, comme je suis végane, oui, effectivement. Mais, et comme la viande est associée à la virilité, c'est le même rapport. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, ce dont tu parlais, c'est... c'est pas que le capitalisme, parce qu'on est dans une intersectionnalité, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on justifie la domination masculine, l'hétéropatriarcat, le néolibéralisme, les politiques colonialistes, néocolonialistes et postcolonialistes aussi. Donc en fait, c'est tout ça qui fait que, en fait, on se dit, mais aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, entre guillemets, déshumaniser, puisqu'en fait, il manque d'humanité en ne pensant qu'à leur gueule, c'est les dominants. Oui, absolument. Et alors, du coup, on a souvent, dans le cinéma de genre qui parle des luttes sociales, une thématique qui est associée aux personnages plus pauvres, du coup, qui se place en tout cas en pauvre par rapport aux riches, c'est le motif ou la motivation de la vengeance. J'ai l'impression, il me semble, que souvent, ça se termine mal. Alors, pas toujours. On a un contre-exemple dont on parlait à midi, qui est Saul Bearn, du coup. Par exemple, dans Snowpiercer, qu'il y a dans le corpus, à la fin, bon, on ne peut pas dire que ça se termine extrêmement bien. On a le droit de spoiler ou pas? Enfin, je ne sais pas où on en est par rapport à ça. Il est sorti depuis tellement longtemps, Snowpiercer, quand même. On devrait voir... Dans Sixième Sens, à la fin... Gattaca, il y a une fin, bon, pas extrêmement positive non plus. Enfin bref, il y en a plein qui se terminent plutôt mal et on a l'impression que ce désir de revanche, cette entreprise de vengeance est vouée à l'échec ou en tout cas à se terminer sur une note extrêmement cynique ou triste. Alors du coup, tu trouves pas ? En fait, oui. Moi, je pense qu'il y a d'une partie un truc qui veut vraiment mettre en avant le fait que vraiment d'en sortir, c'est vraiment dur, tu vois, il y a ce côté-là. Après, pour Snowpiercer, moi j'ai trouvé la fin assez chouette, parce que justement, il casse le système. Et en fait, il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est les deux toxicos qui finalement arrivent à casser le système, et ça reprend... un auteur qui s'appelle Marc Hughes, qui avait dit, mais... ce système capitaliste, on est tous dedans, quelle que soit notre place, et on en parlait à midi justement, quelle que soit notre place dans l'échelle sociale, on est dedans, on y participe, on est tous des consommateurs quelque part. Les seuls qui sont marginaux pour de vrai, selon lui, c'est les toxicomanes. Parce qu'en fait, ils recherchent autre chose, ils ont une consommation qui les tourne vers autre chose. Parce qu'ils ont besoin de leur dose. Et du coup, le centre de leur quotidien, c'est autre chose que le capitalisme. Et j'ai trouvé ça super intéressant que dans Snowpiercer, ce soit les toxicomanes qui finalement, enfin en tout cas réputés dans le film, arrivent à casser le système de domination qui était mis en place et qui tournait en fait sans réelle remise en question, à part justement ces fausses révolutions, ces petits stratagèmes pour faire croire qu'il y a il y a des envies, des velléités de révolution, mais en fait, c'était tout calculé. Et qu'en fait, c'est vraiment ceux qu'on n'y attend pas, qui sont marginalisés, même au sein d'un système marginal, qui finalement réussissent à renverser. Donc moi, j'avais trouvé ça très positif et assez joli. Mais c'est vrai que souvent, et je pense par exemple dans la rétrospective Nuevo Orden, là, ça finit mal. En effet, pour les classes dominées, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un coup d'État. Et en fait, on passe d'un système capitaliste où les riches dominent à un système plutôt militaire, autocratique. Et en fait, il y a une révolution, mais finalement, ceux qui payent, c'est toujours les mêmes dans les deux cas. Mmh. Et ça, j'ai trouvé aussi intéressant de montrer que ce n'est pas parce qu'il y a un changement que la domination s'arrête. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit aller au-delà de juste remplacer... Parce que tu parlais d'élite tout à l'heure, et c'est vrai que le terme d'élite, je vois totalement ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'en sociologie, il est très utilisé à cause de la littérature américaine notamment. Mais en fait, la définition d'une élite dans cette littérature-là, c'est pas une personne qui a, on va dire, des talents tellement extraordinaires qu'elle se retrouve dans une place dominante. C'est une position qui est occupée par une personne. Donc en fait, la personne est interchangeable. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la position, elle existe et comment nous, tous ensemble, on maintient la possibilité de l'existence de cette position, si vous voulez. Et du coup, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de films qui veulent peut-être montrer ça. Dans le sens, c'est pour ça que
dominés peuvent jamais gagner, c'est parce que finalement, renverser la personne, c'est une chose, mais renverser l'existence de la position, c'en est vraiment une autre. C'est le système, quoi, c'est ça le plus dur. Voilà, comme on peut parler de système ou de structure. Sur la vengeance, ce que je trouve passionnant, c'est, on le voit dans le film de Jordan Peele, Us, c'est cette idée du grand soir. Et on a la même chose. En fait, ce qui est intéressant dans la vengeance, c'est que c'est toujours les dominants qui ont peur de la vengeance des dominés parce qu'ils savent très bien qu'ils la méritent. On a rarement peur d'une vengeance si on n'a rien fait de mal, en fait. Hein. Globalement, on dort plutôt bien la nuit. Alors, je pense que Bernard Arnault dort très bien la nuit, même s'il sait qu'il est le pire pot de vache du monde. Mais voilà. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Et on voit justement que quand on dit l'expression avec MeToo, la peur de changer de camp. En fait, par exemple, quand on parle du groupe des femmes, les femmes ne sont pas une minorité. Dans le monde, on est d'ailleurs légèrement plus nombreuses que les hommes. On est minorisées, c'est différent. Mais en termes de nombre, on est plus nombreuses. C'est pareil pour les dominants et les dominés. Quand on parle des 1%, c'est les 1%. Il y a les 1%, puis il y a aussi les 20%, etc. Bon, il y a quand même plus de classes populaires que de riches dans le monde. Donc en gros, c'est le nombre qui devrait l'emporter, et ce n'est pas le cas. Et donc ce que j'aime avec ce motif de la vengeance, c'est que c'est une minorité littérale qui a peur de la majorité, parce qu'ils savent très bien que c'est eux, la minorité, qui justement tirent les cordons de tout. Et c'est ça que j'aime dans ces films-là, c'est hormis comment on interprète, ou bien comment on nous montre une fin, qu'elle soit positive ou négative, ou ambivalente, ou ouverte, etc., c'est vraiment l'idée que ça peut se produire. Et c'est ce que j'aime dans Us, c'est ce côté grand soir. Et c'est ce que j'aime dans la manière dont en France actuellement les droites et l'extrême droite flippent leur race de ouf là, parce que la gauche a gagné, même si effectivement il n'y a pas de majorité, etc. Bref, la France a voté à gauche là. Voilà. Bravo. Vive nous, vive les gens qui sont mobilisés. On sait bien qui a fait barrage encore une fois. Mais en tout cas là, il y a une peur. Et moi je le vois dans les militants fachos, dans le gouvernement de droite. Ils ont peur et ils disent « Ah là là, avec la gauche au pouvoir... » Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi, en fait? Donc j'aime bien cette idée que... J'aime bien l'idée qu'on fasse peur. J'aime l'idée que les hommes ont peur, maintenant, plus qu'avant. Parce que c'est peut-être ce qui leur manque pour arrêter de nous violer, par exemple, d'avoir peur. Qu'on le dise. Encore un peu plus peur. Même. Voilà, ouais. Qu'on en parle. Quoi. Et si j'ose juste rebondir, parce que la peur, elle existe, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas plus mal. Par contre, il y a une chose que je ne suis pas certaine, c'est que je ne suis pas sûre qu'ils sachent vraiment qu'ils soient moralement pas OK. En fait, bien la nuit, je pense. Oui, parce que en fait, personnellement, j'étudie un type de riche particulier que sont les philanthropes. Donc, forcément, on est face à des gens qui moralement peuvent justifier d'autant plus les inégalités par le fait qu'ils vont redistribuer. D'ailleurs, c'est l'effectif altruisme, c'est un mouvement poussé à son extrême, qui a des racines à Oxford, etc., qui dit que s'enrichir, c'est bien parce qu'on peut redistribuer. Donc c'est aussi bête que ça, pour de vrai, mais c'est des choses qui marchent bien. Sam Friedman, le crypto guy là, qui est tombé il n'y a pas longtemps, c'était vraiment un promoteur de cette philosophie, j'ose même pas l'appeler comme ça, mais voilà. Donc en fait, pour dire, moi j'ai parlé avec ces gens dans des entretiens confidentiels, etc., et c'est des gens qui réellement ont peur, mais ne comprennent pas vraiment pourquoi, en fait. Ils ont réellement la sensation d'être dans une juste place, d'être au bon endroit. Et parce qu'on leur prête souvent, et je dis, il y en a, hein, je ne veux pas angéliser ces personnes, mais on leur prête souvent un air de Machiavel qui, en réalité, ils sont beaucoup plus naïfs que ça. Ils sont beaucoup plus... On va dire, ils ont beaucoup moins réfléchi que ce qu'on pense, en fait. Ce qui, du coup, devrait être encourageant. On essaye d'être poli. Voilà. C'est aussi stupide. Voilà. Ah, je ne peux pas me permettre. Mais... Non, mais voilà. Donc, en fait, ça m'intéressait beaucoup, cet aspect où, quand je disais les valeurs néolibérales, la méritocratie, ce n'est pas juste des narratifs qu'ils inventent pour justifier leur position, c'est qu'ils y croient réellement. Parce qu'en fait, exercer un pouvoir, c'est insupportable pour n'importe quel pour n'importe quel être humain, je pense. Exercer un pouvoir cru sur quelqu'un, pouvoir dire à quelqu'un
écraser quelqu'un juste parce qu'on le peut. Je pense que pas tout le monde supporte ça. Il faut un narratif autour qui justifie qu'on le puisse. Et je pense que c'est ça, ces idéologies dont on parlait, le néolibéralisme, la croyance du capitalisme, etc. Parce que moi, je suis d'accord que c'est une croyance. Il faut avoir une foi dedans. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je me suis un peu perdue. Mais c'était pour dire que finalement... ne les machiavélisons pas, parce que ça leur donne finalement trop d'intelligence. Ouais, je pense que quand on pratique l'évitement fiscal, on y réfléchit un petit peu. Hein. Alors, ils ont les outils. Ils ont les outils. Ils ont les avocats. Ils ont les moyens, les ressources et ils ont les codes. Mais ils le font. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est actif. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'éviter l'impôt. Je ne dis pas exil, parce que l'impôt, ce n'est pas une prison. C'est pour ça que je préfère évitement fiscal. C'est Salomé Saké qui l'a dit un jour et j'ai fait OK, je vais reprendre ça à mon compte parce que je trouve qu'il fait hyper intelligent. Pareil, encore une fois, les mots ont une importance, évitement fiscal. Et je suis d'accord avec toi, et tu le sais mieux que moi, tu travailles dessus, donc je ne veux pas faire semblant de savoir des choses que je ne sais pas. Et effectivement, il y en a qui sont pas si malins que ça, mais je pense qu'il y a quand même des stratégies actives d'évitement de la redistribution et qui effectivement passent aussi par la philanthropie du mécénat qui permet de défiscaliser. Totalement. Et donc de payer moins d'impôts quand même. Dans la technicalité, ils sont très forts. Mais dans l'intention, l'idéologie, ils croient à des choses magiques. Je veux dire, la théorie du ruissellement, c'est de la pensée magique. Je veux dire, c'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Des gens avec autant d'éducation, qui ont justement des technicalités, des outils, des possibilités de développer des privilèges, et qui croient à la magie du ruissellement. Donc moi, je suis toujours un petit peu... OK, un petit peu... voilà. Je reviens juste rapidement en arrière sur la fin de Snowpiercer. J'ai envie de faire un parallèle aussi avec Gattaca, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le fait que ce qui compte, c'est que le système est disrupté, renversé, en tout cas empêché, ne serait-ce qu'un instant. En fait, là où je disais que ça se termine mal, il y a un côté, tu vois, parce que dans Snowpiercer, il y a le personnage de Chris Evans, du coup, qu'on suit tout au long, puis qui meurt à la fin. Pardon. Sans donner plus de détails. Non, c'est pas vrai, c'est bon si vous suiviez. Il y a un peu quelque chose de ce genre-là dans Gattaca aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a... pardon. Non, mais il y a plusieurs personnages principaux, vous ne saurez pas. Gattaca, il est passé hier, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Il y a un côté, en fait, un petit peu Moïse qui meurt avant d'arriver en Terre Promise, là où il a conduit son peuple. Et du coup, dans les films, comme c'est souvent, les films sont quand même incarnés autour d'un ou quelques personnages centraux, il y a le côté, le système... est effectivement disrupté. En revanche, ça reste une tragédie à l'échelle individuelle, tu vois. Ça se termine quand même mal à l'échelle individuelle. Et il y a une idée du sacrifice, en fait, que je trouve assez inhérente à ces films et à ces types de représentations, de se dire, OK, on peut changer les choses, mais en fait, la personne qui veut changer les choses, elle va y laisser sa peau, quoi. Enfin, le fait de manger les riches, ça passe par une sorte de sacrifice personnel aussi, souvent, j'ai l'impression. Oui, après, je crois que c'est parce que c'est des films. Clairement, dans la vraie vie, il n'y a pas beaucoup de héros ou d'héroïnes qui sacrifieraient. C'est pour ça qu'il faut se syndiquer. Syndiquez-vous. Non, mais c'est vrai, c'est qu'un film sur le syndicalisme, un film d'horreur, j'adorerais voir. Pardon, je lance un appel aux réalisatrices et réalisateurs et réalisatrices. Un film sur l'action collective. Un film avec, je sais pas, CGT of the Dead. Je sais pas, un truc comme ça. Non, mais en fait, c'est parce que voilà, il faut un héros, il faut une héroïne, il faut... une bande qui se sacrifie pour le plus grand nombre, pour le collectif, mais c'est vrai que je trouve ça, genre je déteste ce mot, parce qu'il est galvaudé, mais inspirant. Mais vous voyez pourquoi j'aime pas ce mot, inspirant, on dirait que je suis sur Instagram ou Pinterest. Mais il y a un côté inspirant de se dire, en fait, si justement à l'échelle de ce micro-système qu'est ce train lancé à grande vitesse dans Snowpiercer, à l'échelle de cette société qu'on nous montre eugéniste, à l'échelle de telle ou telle société ou de telle ou telle zone géographique, de tel ghetto de riches, si des gens ont pu se soulever alors qu'ils et elles étaient passablement confinés, et donc sans possibilité d'aide extérieure, sans accès à, je sais pas, des médias, une possibilité de s'organiser. Si ils et elles ont pu s'organiser dans ce genre d'endroit, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous, à l'échelle d'un pays, pourquoi à l'échelle d'une région, vous ne le faites pas? Et je trouve que c'est là où c'est un peu galvanisant, c'est ça, c'est de se dire, en fait, on n'a pas besoin de sacrifier des gens, quoi. On devrait être assez forts ensemble pour ne pas que des gens, justement, aient à mourir pour une cause, ou à être emprisonné pour une cause ou torturé pour une cause, quoi. Et c'est ça que je trouverais intéressant et que je trouve intéressant dans je reviens à Us, mais parce que pour le coup ce côté grand soir il est intéressant là-dedans, puis on a deux familles, enfin
Mais voilà, où il n'y a pas cette forme de sacrifice-là, il n'y a pas de héros, en fait, dans ce genre de film. Et j'aime bien les films où il n'y a pas vraiment de héros ou d'héroïne, quoi. Alors, malgré tout, je pense que la mort du héros dans les films dont j'ai parlé, il y a le côté, en fait, représenter le fait que les combats qu'on mène aujourd'hui, que toi, moi, éventuellement, enfin les gens comme nous, on essaie de mener, en fait, on n'en verra pas forcément debout, quoi. C'est le fait que... Est-ce que ça pourra apporter de bon ? Bah, sans doute qu'on ne le connaîtra pas, pas de notre vivant. Et donc je pense que la tragédie du héros, il y a, tu vois, cette manière de condenser un peu tout ça en un film, c'est que le combat qu'on mène, ouais, on espère que ça donnera quelque chose, mais on ne sera pas forcément là pour le voir, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu... Oui, je pense qu'il y a ça. Puis aussi, finalement, bon, la mort, du coup, c'est le plus loin que tu puisses aller en termes de sacrifice. Mais on en parlait avec une brillante collègue hier. Les activistes climatiques, ils y laissent aussi de leur... on va dire de leur énergie, de leur argent, de leur temps, etc. Enfin, quand là, on parlait des cas où ils finissent au pénal. Donc, en fait, je veux dire, c'est comme ça nous prévient quand même que de se bouger a un coût, en fait, même si on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la mort, justement parce que c'est collectif, ça peut prévenir d'aller aussi loin, comme tu le disais. Mais je pense que c'est un peu un cautionary tale aussi, dans un sens, dire, bon, bah ouais, tu veux te bouger, mais ça va te coûter. C'est pas... Et why not, en fait, mettre ça en avant aussi, que c'est pas juste voilà, des petits trucs qui nous coûtent rien au quotidien, qui vont réussir à mobiliser, en fait, les choses. Mais voilà. On n'est pas des colibris, je déteste ça. Voilà, exactement. D'aller dans. Ouais, je suis. Qui amène de mes noms. Et il meurt, le colibri. Ce que tout il meurt à la dire, fin, le colibri, tout à fait. Personne ne le dit, Pierre Rabhi ne le disait pas ça. À la fin, le colibri, il crève, en fait. Ouais. La forêt, elle brûle, en fait. Donc, ouais, elle meurt, en fait. Ne soyez pas des colibris. non, mais après, je ne suis pas tout à fait d'accord sur. On n'en voit pas les fruits. Parce que MeToo, c'est grâce aux féministes, en fait. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir apporté ma petite pierre à cet édifice-là. Et à tout ce qui se passe aujourd'hui, là, le NFP qui gagne en France, c'est pareil. C'est, enfin, je veux dire, c'est de la mobilisation, c'est des trucs qu'on fait au quotidien, quel que soit son métier, qu'on soit journaliste, qu'on soit, je sais pas, ouvrier, syndiqué. Enfin, voilà, c'est quelque chose, qu'on soit autrice, qu'on soit prof, plein de choses, qu'on soit influenceur, influenceuse, qu'on soit streamer ou streameuse, qu'on soit réalisatrice, ça dépend des sujets auxquels on s'attaque. Voilà, enfin, pour moi, c'est... En fait, le but pour moi, c'est pas de mourir en ayant une société. Enfin, si, c'est pas mon but. J'adorerais mourir en mode ah, c'est super, t'es enjoy les gens. mais c'est se dire bon, bah, de toute façon, ça, c'est impossible. On aura, enfin, ça s'appelle une utopie. Ça s'appelle pas utopie pour rien, quoi. Mm. Donc, c'est se dire bah, en fait, j'ai fait ma part. Moi, j'ai envie de mourir en me disant bah, je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Je regrette peut-être le burn-out militant parce que peut-être qu'on aurait dû être plus nombreuses et nombreux à se mobiliser. Mais en tout cas, je me dirais, j'ai envie de crever en me disant que j'ai fait partie de la solution et pas du problème. Mmh. Contrairement aux dominants. Je pense que c'est un bon objectif de vie. J'ai envie de faire un petit... il nous reste 5 minutes. J'ai envie de faire un petit parallèle, pour le coup, avec les films peut-être un peu plus vieux. Alors, du coup, il y a American Psycho dans le corpus, mais je pense aussi à Soleil Vert, où là, c'est un peu plus large que simplement les riches qui mangent les pauvres, mais on a quand même des personnes en état de faiblesse, voilà, qui sont vulnérables, qui se retrouvent à être mangées par les gens qui sont vivants. American Psycho, c'est parce que du coup, on a l'incarnation du riche, même si a priori c'est des fantasmes, qui a envie de tester, de manger ses proies. Alors c'est davantage dans le livre que dans le film, mais où il y a une idée de, bah, voilà, de domination qui passe par le fait de manger, bien sûr. Donc j'ai l'impression qu'on est passé d'une thématique de, en fait, les riches mangent les pauvres, parce que c'est, bah, parce que comme tu le disais, en fait c'est vrai, c'est normal, enfin voilà, à une sorte de renversement de ces représentations aujourd'hui, même si c'est pas nouveau en soi, et l'impression que plus ça va, plus ces dernières années, en fait, cette thématique de un peu révolutionnaire, en fait, vis-à-vis des riches, et donc que ça passe par la dévoration ou pas, elle est de plus en plus présente dans le cinéma de genre. J'espère que ça continuera. Je ne sais pas si vous avez des attentes en cinéma, ou des envies, des choses que vous observez ces derniers temps qui vont dans ce sens. L'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression, surtout avec le climat politique actuel et donc spécialement en France actuellement, mais pas que, que c'est, en fait, ça devient central dans le cinéma de genre aujourd'hui, quoi. Bah, en fait, c'est étouffant, c'est l'urgence qui, ouais, veut ça. C'est pas que le cinéma. Moi, je travaille sur les séries beaucoup. C'est les livres, c'est les séries, c'est les séries docu. Enfin, il y a de plus. En fait, c'est l'urgence. Et en fait, on se dit, mais comment est-ce qu'on fait se rendre compte
le plus grand nombre que en fait c'est urgent, c'est même trop tard. Beaucoup de climatologues vous le disent, hein, c'est trop tard. En fait, c'est pas la peine. On pourra baisser de 2 degrés, je sais pas comment, en baguette magique, c'est trop tard. Voilà, c'est mort en fait. Mais on peut pas dire ça, sinon les gens disent vu que c'est mort, autant ne rien faire quoi. Donc n'écoutez pas ce que je viens de dire. Hop, oubliez ce que je viens de dire. Non mais c'est vrai, et c'est pas pour autant qu'il faut rien faire, puisqu'en fait on essaie de temporiser ou de faire tampon en fait, en se disant on va essayer de faire en sorte que ce soit moins pire pour les autres, pour les enfants à naître, pour les gens qui continueront de vivre après nous. Mais oui, je crois que c'est se dire comment est-ce qu'on montre ça. Alors plein de gens n'iront pas voir un documentaire, plein de gens n'iront pas acheter un essai, une enquête, mais en revanche les gens vont plutôt aller voir de la fiction. Et on fait passer des messages comme ça, notamment dans les films de genre, qui sont souvent ouverts à plusieurs interprétations, à plusieurs lectures, et vont peut-être toucher un peu plus de gens qu'un film social, comme on dit, qui est un peu on the nose sur certains sujets. Voilà, un film sur la CGT, personne. Enfin, voilà. On voit bien les films avec Vincent Lindon de Stéphane Brisé. Je pense pas que beaucoup de riches vont voir les films de Stéphane Brisé en vrai, quoi. Alors qu'on fait Vincent Lindon en zombie, ou je sais pas, voilà, ça pourrait peut-être toucher plus de gens qui vont dire ah tiens, je vais juste passer un bon moment. Et non, c'est un petit côté cheval de Troie, moi, que j'aime bien vivement dans les films de genre. C'est ça qui est intéressant. Ils sont là, oh tiens, on passait un bon moment. Et t'es là, ah ouais, d'accord, en fait, je me suis fait avoir. Donc, ouais, mais après, en termes d'attente, je sais pas, il y a. J'aimerais, en fait, c'est plutôt des choses que j'ai plus envie de voir que des choses que j'ai envie de voir. Genre le viol comme ressort narratif, les trucs comme ça. J'en ai marre, en fait. Le viol n'est pas un ressort narratif. Arrêtez avec ça, c'est un trauma. Il faut arrêter de le traiter comme un truc, comme si on t'avait juste volé ton sac à main, quoi. Non, mais je suis très body horror. Alors ça, c'est vrai que je suis très contente de voir qu'en plus, il y a plein de femmes à qui aujourd'hui, c'est pas qu'elles arrivent, c'est qu'elles ont toujours été là. Elles ont toujours voulu pousser ça et on leur donne enfin du pognon pour faire du body horror et du cinéma de genre. Et je pense qu'on a besoin de ce female gaze-là. Et que c'est très stimulant, je trouve, de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, il y a l'argent qui peut aller sur des séries de genre, des films de genre, notamment faits par des personnes non-binaires ou par des femmes, des personnes minorisées, des personnes racisées, des personnes trans, qui ont un regard, évidemment, forcément différent, n'étant pas dans ces normes imposées. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai envie de voir, moi, de plus en plus de regards différents. J'ai failli dire un truc, mais vu que je suis dans le jury critique, j'ai pas le droit de dire des choses sur les films que j'ai vus, donc je ne dirai rien. Voilà, mais j'ai vu un film que j'ai envie de voir plus. Je pense que vous savez, les gens qui l'ont vu savent de quoi. Ouais. Très bien. Moi, là, franchement, je pense que tu as tout dit, et surtout l'aspect que ça entre et que ça colonise, on va utiliser ce mot d'une autre manière, dans la pop culture. Moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, pour arrêter de rendre ces problématiques uniquement intello ou uniquement... Enfin, voilà, plus inclusive, en fait, simplement. Intéressant ce que tu disais aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices reconnues dans le cinéma de genre. Moi, j'ai hâte de voir d'ici quelques années si ces femmes, elles auront réussi à faire des carrières et pas seulement des one-shots dans un cercle, très indépendant, très festival. Est-ce que, comme Rose Glass, Coralie Farja, etc., mais qui n'en sont qu'à leur deuxième film, voilà. Faute du Gourneau, hein, c'est pas son huitième film, quoi. Voilà, est-ce que, parce que moi, j'en connais plein des réalisatrices de films de genre qui, les 5-10 dernières années, ont fait des films d'horreur, mais géniaux, avec justement des propos très politiques, très sociaux, mais dont depuis on n'a plus de nouvelles. Parce que, Déjà, le cinéma mainstream, le cinéma classique traditionnel, faire un deuxième film quand on est une femme, c'est une tannée. On a les statistiques. En France, en tout cas, je parle que du pays où j'ai les stats. C'est une tannée. Les écarts de budget sont absolument incroyables. En fait, plus vous faites de films, homme ou femme, plus vous faites de films, plus l'écart entre le premier, le deuxième film, le deuxième, le troisième film se creuse. Donc je sais plus, j'avais le chiffre la semaine dernière, j'avais fait un podcast là-dessus, mais bref, en tout cas c'est assez énorme. Mais oui, effectivement, si dans le cinéma traditionnel, qui trouve plus facilement des soutiens financiers mais qui galère que le cinéma de genre, tout le monde, on a du mal à faire d'autres films, alors dans le cinéma de genre c'est encore pire. Effectivement, c'est la double peine pour les personnes qui ne sont pas des hommes qui réalisent des films, quoi. Donc, financer plutôt les femmes et autres minorités qui... les riches de la salle. Voilà. Donner de l'argent aux personnes qui ont besoin de faire des films différents. Les philanthropes. Bon, écoutez, ça va être l'heure des questions, tout simplement. Donc, on va faire passer un micro. Simplement, petite consigne pour les personnes qui ont envie de réagir. Attendez bien d'avoir le micro en main, sinon nous, on vous entendra mal déjà et votre réponse ne sera pas prise en compte par la caméra. Donc, exprimez-vous, mais avec un micro. Ah, on fait moins les malins que la lumière. Non, je rigole.
Bonjour. Bonjour. Merci pour votre conférence. J'ai une petite question sur la fin des films. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait une corrélation, voire même une causalité entre les budgets et les fins qui sont plutôt négatives? Parce que les scénarios passent quand même dans un système, plus les budgets sont grands. Je me dis que peut-être qu'il y en a qui préfèrent que ça ne se finisse pas très bien pour les minorités. J'adore l'idée du complot. Genre, les riches productrices ou producteurs qui... Ok, on file des thunes, mais les pauvres, ils meurent. Et qui voudraient que les... C'est ça, je ne sais pas si j'ai compris la question. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une question de complot, mais juste une question de représentation, en fait. Je pense que quand on écrit et qu'on évolue dans des milieux où plus on est connu, plus on côtoie des gens qui ont du pouvoir, on aura peut-être aussi moins envie de les voir mourir dans les films. Oui, mais c'est une blague, hein, le truc du complot, attention. Hein. C'était plutôt en mode, ouh, les riches producteurs, non, je ne veux pas que les riches meurent, mais plutôt les pauvres. Le côté machiavélique, comme tu disais. Mais j'aime bien cette idée. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire. Honnêtement, je pense pas tellement. En fait, le truc, c'est que si on prend par exemple l'exemple du fameux Harvey Weinstein, il a quand même produit la saga Scream, dont Scream 3, dans lequel il y a il y a une représentation de ce que lui, il a été en tant que producteur tout-puissant et harceleur et agresseur, etc. Ça ne l'a pas empêché de le produire, alors que vraiment, c'était une exposition de ce qu'il était aux yeux du grand public. Je pense qu'il y a une sorte, tout simplement, l'impunité en fait, de ces personnes-là, de se dire, de toute manière, on peut crier au monde qui je suis réellement, je suis tellement hors de danger que peu importe. Soit ils ont un plaisir à justement être aveugles et à ne pas se reconnaître dans ces représentations, soit à savoir que ça ne leur portera pas préjudice. Et je pense qu'à partir du moment où un film il pense que ça peut faire des thunes avec les riches qui meurent à la fin, je ne pense pas que ça puisse vraiment entrer en considération. Ce serait intéressant, mais je pense qu'en fait, les questions d'argent viennent toujours tellement au premier plan et sont toujours prédominantes que la représentation pour eux passe bien après, je pense, hein, honnêtement. En fait, c'est une question de cynisme total. Oui, c'est ça, oui. Cynique. La série Fallout, elle est sur Amazon Prime. Voilà, Prime. Et c'est une critique aussi des corporations que sont celles qui ressemblent à Amazon. Donc, et comme on voit dans les séries Netflix, il y a beaucoup de vannes sur Netflix et ils le produisent. Donc oui, je rejoins ce que tu dis, dans les séries aussi, on le voit. En fait, c'est ça, c'est cynisme, impunité et gros billets, quoi. Oui, c'est ça. Une question concernant l'image qu'on a derrière le film The Square, dans cette rétrospective qui a été quand même choisie Palme d'Or à Cannes par un public, pour le coup, d'élite ou de très riche. Enfin, voilà, comment comprendre du coup, ce choix d'une critique du monde culturel, enfin, voilà, comment vous le voyez-vous, quel est votre regard sur ce choix du coup? C'est comme les philanthropes, hein. C'est s'acheter une conscience sociale, ça leur coûte rien de filer une palme d'or, en fait. Ça leur coûte rien du tout. Et justement, ils vont passer pour des gens qui sont complètement conscients de ce qui se passe, et de justice sociale, et vont pouvoir aller faire des interviews en disant « On a récompensé ce film parce qu'il prend à bras le corps des thématiques qui nous tiennent à cœur aujourd'hui dans ce climat social délétère, etc. » En fait, il faut toujours se dire « Ça leur coûte quoi et ça leur rapporte quoi ?» Et en fait, comme ça rejoint la question qui était posée précédemment, et je pense que nos réponses, c'est ce qu'on pense de ça. C'est le cinéma, il adore se brosser dans le sens du poil lui-même. On voit le nombre de films de cinéma qui parlent de cinéma déjà. Waouh, ouh, le nombrilisme, ça va. Mais surtout, ils adorent soit en tant que réal dire moi je suis mieux, donc je vais faire tenir un personnage un discours anti-Hollywood dans mon film pour dire que moi je suis au-dessus de la mêlée. Et pareil, un jury de festival aussi prestigieux que celui de Cannes va se donner une bonne conscience à gratos, puisque ça leur coûte vraiment rien de filer une palme d'or. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, en revanche, ça ne veut pas dire, évidemment, que ce serait dommage que les bourgeois passent leur vie à récompenser des films de bourgeois, enfin, qui parlent de bourgeoisie. C'est bien aussi de récompenser ce genre de film, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose d'ironique là-dedans. Toujours est-il que, heureusement, que même si ça se fait sous couvert d'une certaine hypocrisie, heureusement quand même que ce genre de discours peut percer dans ce genre de milieu. Le problème, c'est que en fait, on pense cette voie qui est donnée à ce genre de discours, à ce genre de film, qu'ils eurent un peu révolutionnaire. Le problème, c'est qu'on pense que le fait que le récompense, que lui le mettre en avant dans un festival de Cannes ou autre, ça va
porter son message et ça va avoir un impact. Le fait est que, en fait, non, malheureusement, ou en tout cas très peu et peut-être de moins en moins, parce que le système se verrouille, parce que le système se protège et qu'en définitive, voilà, faire un film aujourd'hui, c'est très bien de continuer à utiliser l'art et le cinéma pour porter des messages sociaux et autres. En revanche, pour qu'il y ait un impact réel dans la vie après, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut continuer à le faire. Après, c'est bien aussi de relever l'ironie de la chose, quoi. Et puis après, je pense que c'est aussi quelque chose un peu en circuit fermé. Je vais de nouveau utiliser le terme d'élite, mais c'est une élite culturelle spécifique qui récompense ce film-là. Donc je pense que voilà quoi. Enfin, j'ai pas la sociologie en tête exactement les éléments sociodémographiques des personnes qui composent le jury, mais j'imagine qu'il y a d'autres types de personnes qui ont du pouvoir dans la société qui ne l'auraient pas récompensé, et d'empêche qu'elles ont du pouvoir dans la société et sur nos vies de manière concrète. Donc finalement, c'est peut-être un zoom trop proche de voir ça ici, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'était clair ce que je voulais dire. Mais, ouais. Question en fait concerne les affirmations, les égalités, l'inégalité est en croissance depuis les années 70. Ce point-là m'intrigue en fait par plusieurs faits que j'ai vus malgré tout en ayant différents cours de géographie et d'économie dans ma vie. Lorsqu'on regarde par exemple au niveau des chiffres, la malnutrition extrême est en grande réduction. L'espérance de vie monte de façon graduelle. Malgré des faibles moyens, on a de nos jours accès à une grande quantité d'informations, une grande quantité de livres, une grande quantité de contenus qui seraient inaccessibles dans les années 70. Du coup, parmi de nombreux exemples, la famille moyenne, dans les chiffres que j'avais vus, par exemple, dans les années 73 aux États-Unis, payait 50% de son budget mensuel en nourriture, lorsqu'aujourd'hui, ça passe entre 10 et 15%. Du coup, sur quelle base on dit que les inégalités montent, en fait ? Alors, le calcul des inégalités, il est basé sur les inégalités de revenus, donc vraiment salaire, et les inégalités de revenus sur le capital. Finalement, les rentes sur le patrimoine. Donc, c'est ça qui est calculé, notamment par les économistes, pour affirmer que, en fait, ceux du plus haut, on va dire, percentile, gagnent de plus en plus de la masse générale. Je sais pas si c'est... Voilà. Et du coup, c'est de ça qu'on parle dans les inégalités. Après, ce que vous dites est vrai, et d'ailleurs, il y a une personne qui a fait un livre là-dessus avec lequel... c'est vrai et c'est malheureusement trompeur. Il y a lui, mais je pensais à un plus... il y a Stephen Pinker, mais il y avait un livre qui s'appelle Factfulness, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui étaye des faits. Il y a moins de malnutrition, le salaire minimum est passé de tant de dollars à tant de dollars. Donc en fait, c'est un petit peu une ode au capitalisme, parce que de dire, et d'ailleurs il y a aussi une autre auteure hyper respectée dans son domaine, il y a des idées que le capitalisme améliore notre qualité de vie. Et de manière totalement globale, on ne peut pas le nier. Comme vous le dites, l'espérance de vie, elle est meilleure, etc. Le problème, c'est si on désagrège. Et c'est là, justement, que les inégalités deviennent importantes. C'est qu'il y a toujours cette histoire en économie de la part du gâteau, enfin, le gâteau qu'on se partage. Donc, il faut qu'on croie pour croire la taille du gâteau pour qu'on puisse se le partager. Mais en fait, ce gâteau, il croit, mais finalement, il est toujours très, très mal partagé. Donc c'est toujours la question de se dire quel intérêt de le faire croître finalement. Est-ce que pour moi c'est vraiment trop cool d'avoir un frigo qui est connecté à mon téléphone. Genre ça me fait vraiment une belle jambe s'il y a des gens qui peuvent pas manger en fait. Enfin en fait c'est ça, c'est good for me, mais en fait c'est un peu triste. Voilà. En fait, mais par contre si on prend les faits comme vous l'avez dit, ils sont justes. Statistiquement, ils sont justes si on prend la population entière et qu'on agrège tout. Et c'est là où on peut, où justement, ce discours, on peut l'utiliser à différentes fins politiques, je pense. Et pareil, c'est pas parce qu'une stat est exacte qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut parfois. Par exemple, ce que vous dites sur la part qu'on dépense dans son budget sur l'alimentation, la raison pour laquelle elle baisse, c'est que les loyers augmentent. Donc, par exemple, en France, c'est les plus pauvres qui ont
la part du loyer qui va être plus élevée dans leur budget que les riches, qui sont souvent plus propriétaires que les pauvres. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une stat qui laisse entendre que la part consacrée à la nourriture est moins élevée, ça ne veut pas dire que la bouffe, elle est plus accessible. Ça veut juste dire que tout le reste augmente. Par exemple, les riches. La qualité aussi de la nourriture. Ouais, ah bah oui, puis la qualité, ouais. Parlons. Ouais, bah c'est ça, c'est pas parce que la bouffe est moins chère qu'elle est meilleure. Donc on sait bien, statistiquement, qui mange plus de poissons, de légumes frais et de fruits, c'est les classes les plus privilégiées. On sait qui dépense le plus d'argent dans son loyer, c'est les pauvres. On sait qui dépense le plus en transport, c'est les pauvres. Donc voilà, c'est aussi, on a une stat, mais il faut regarder comment et pourquoi cette stat diminue ou augmente. Sur l'espérance de vie, c'est pas parce que dans certains pays, on vit plus longtemps qu'il n'y a pas des pays où c'est l'enfer. Aux États-Unis, il y a eu une chute extraordinaire de l'espérance de vie pour les classes les plus populaires, et de la mort en couche des femmes, qui était autrefois et aujourd'hui encore assez flagrant sur les femmes racisées, notamment les femmes noires aux États-Unis, mais qui touche aujourd'hui beaucoup de femmes blanches, très populaires, très précaires, très marginalisées. Donc en fait, effectivement, au global, ça peut avoir l'air d'être un tableau plus positif, mais quand on désagrège et quand on réfléchit à pourquoi ce chiffre-là, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, on ne peut pas juste utiliser des chiffres en disant bah, « il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc c'est mieux ». Donc, en fait, on tend vers le mieux. C'est pour ça que le bouquin de Pinker est... Bah, il ne vaut pas grand-chose, en vrai. En vrai, c'est vraiment un alignement de le stats. Le lisez pas. Ouais, franchement, ouais. Il a été débunké, entre guillemets, parce que ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Hein. Effectivement, il y a des stats et il y a des faits. Une statistique est un fait, mais une statistique, c'est pas la vérité. C'est ça que je veux dire. Un fait, c'est pas la vérité. C'est pas la même chose. Quoi. Voilà. On va prendre une dernière question. Alors, choisissez-la bien. Merci. J'essaie de la poser depuis tout à l'heure, donc je suis contente pour y arriver. Je voulais rebondir sur des notions que vous avez abordées plus au début avec l'élite et le côté de machiavéliser ou non les élites. Et je me demandais si... Alors, d'une part, je pense très certainement il y a le besoin humain d'être en partie en déni ou comme ça pour accepter de faire ou de subir des choses qu'au fond de nous, on sait que c'est pas bien. Enfin, voilà, ou que ça fait pas du bien. Mais s'il n'y avait pas un côté, en fait... éducation et vie un peu en huis clos. Parce qu'on sait que les riches, surtout les très très riches, bah, ils vivent entre eux, ils se fréquentent entre eux, et du coup, même s'ils voient, ils n'ont pas forcément la conscience de ce qui se passe ailleurs, et probablement, bah, voilà, leur magie du ruissellement, ils y croient parce que bah, dans leur milieu, dans les gens qu'ils fréquentent tout le temps, bah, tout le monde y croit, tout le monde vit ça. En parallèle, complètement décalé, je suis bilingue depuis toute petite, et pour moi, je pensais que tous les deuxièmes générations ou autres en Suisse, d'espagnol, portugais, italien exactement, parlaient minimum de langue. Je pensais même qu'en Suisse, pays aussi multilinguiste, tout le monde parlait confortablement une langue et plus de sûr. Jusqu'à ce qu'en grandissant, je découvre qu'en fait, non, c'était un privilège que j'avais de savoir parler plusieurs langues, parce que même en ayant des parents de deux origines différentes, beaucoup de personnes ne parlent que la langue du pays où elles ont grandi, ou maîtrisent en tout cas, que la langue du pays où ils ont grandi. Et en fait, si je n'avais pas été confrontée en vrai, en réel, à cette réalité, bah, je n'en aurais jamais pris conscience. Pour moi, ça aurait été normal de parler plus de langues. Je n'aurais pas vu ça comme un fait à part. Et je pense qu'il y a beaucoup de riches qui, justement, par héritage et comme ça, donc ils n'ont connu que ça dans leur environnement proche. Et beaucoup, de sûr, ils n'ont jamais approché quelqu'un des classes populaires ou de classes moyennes de leur vie en vrai, autre que de loin par la fenêtre. Ils n'ont pas une conscience directe que non, c'est pas juste du blabla le vécu qu'ont d'autres personnes, que c'est une vraie réalité, et ils n'ont juste jamais reconsidéré en fait leur prisme d'analyse globale du monde et de la vie. Et puis aussi parce que bah voilà, il a leur avantage. Alors quand on n'a pas de problème, pourquoi se poser des questions sur un système qui nous pose pas de problème? Et du coup, juste oui. Un point. C'est pour ça que moi je suis assez d'accord dans un sens d'utiliser le terme d'élite. Parce que la notion d'élite, c'est aussi d'avoir un avantage ou un privilège dont on n'a pas forcément conscience, même s'il nous sert. Oui, alors moi je suis totalement d'accord avec votre point. Il y a la socialisation, la façon dont les personnes ont été socialisées qui fait qu'elles trouvent normales certaines choses qui pour nous sont totalement ahurissantes, et l'inverse aussi. Après, ce qui est compliqué avec les personnes en situation de pouvoir, c'est que c'est, je pense, et c'est aussi le point d'une sociologue qui travaille beaucoup sur l'ignorance, c'est qu'en fait, qu'elle soit volontaire ou pas, cette ignorance, elle est difficilement pardonnable pour des
personnes qui sont en position de pouvoir et qui ont donc les moyens de s'éduquer. Et en fait, elle dit cette phrase qui dit, en fait, ils sont tellement en situation en fait, de puissance qu'ils ont confiance dans la robustesse de leur propre savoir sans même finalement vérifier ce qu'ils savent. Et oui, vous avez totalement raison, je pense que c'est le cas, et je l'ai moi-même expérimenté, quand j'ai été, j'ai presque envie de dire, accidentellement réussi à avoir une bourse pour aller à Oxford, et je me suis retrouvée confrontée à un autre monde, vraiment très différent, où là, je me retrouvais dans un cours avec, je le sais très bien, les futurs ministres de tous les pays d'Europe, qui finalement avaient des discussions, des façons de penser, des choses qui, pour moi, étaient ahurissantes, et je me suis dit, ces personnes... Je dis parce que j'étais dans des cours qui étaient en sciences politiques, donc c'est souvent des gens qui finissent dans des postes à responsabilité politique. Et je me suis dit, mais ces personnes vont finir par avoir un impact sur la vie de plein d'autres personnes. Et en fait, c'est fou, quoi. En fait, elles ne comprennent pas grand-chose. Elles vivent leur vie dans leur collège, à faire leurs fêtes entre eux, à s'habiller en queue de pile vendredi soir pour les dîners formels. Et ils vont après prendre des décisions pour nous, en fait. C'est assez... mais vous avez raison. Mais par contre, je trouve que c'est... C'est le cas, mais pour moi, et ça c'est ma position, c'est difficilement pardonnable. Mmh. Ouais. Moi, c'est classe de médecins, elles ont le privilège de la déconnexion totale. Ouais. Et en France, on avait eu Copé qui ne savait pas combien coûtait un pain au chocolat. Ah oui. Et, là, et comment elle s'appelle, le moment de grâce dans le métro. Cusco Morisset, qui ne savait pas combien coûtait un ticket de métro. Ouais. Et à Paris, qui voulait être élue, etc. Donc, c'est un privilège de ne pas savoir. Et il y a un bouquin, j'ai oublié le nom, de la sociologue qui est sortie il n'y a pas très longtemps l'année dernière, qui s'appelle Alizée quelque chose. Elle est sociologue et elle est allée s'incruster en tant que gouvernante domestique. Alizée Delpierre, oui. Comment ça ? Alizée Delpierre. Delpierre, ouais, merci. Donc chez les ultras, pour le coup, là, on est vraiment sur les 1%. Le bouquin, il est passionnant et elle raconte des trucs. Et puis elle a rencontré des gens qui font ce métier-là depuis très longtemps aussi, ces métiers-là. C'est complètement délirant. Ça va plus loin que la fiction. C'est-à-dire que vous lisez ce livre et vous vous dites ça n'est pas possible. Si j'écris un scénario, personne ne me le finance. Tout le monde va dire mais ah ouais, mais c'est caricatural. Vous pensez que les riches sont comme ça? Une femme qui lui dit bah écoutez voilà, elle n'a plus de lessive, il faut en racheter. Et la fille du propriétaire dit, je crois que c'est, elle donne un billet de 100 €. Elle dit je sais pas combien ça coûte, c'est suffisant, vous croyez? 100 € pour de la lessive, quoi. Et je vous passe les trucs d'humiliation, etc. Mais donc, en fait, c'est un privilège d'être déconnecté complètement. Et moi, ce que tu viens de dire sur c'est impardonnable, je mets 1000% avec ça. Et je finirai en parlant du stigmate. C'est qu'on stigmatise les classes populaires en disant vous êtes débiles, vous savez rien, vous devriez vous éduquer, vous n'êtes pas éduqué, que ce soit sur la politique, que ce soit sur la littérature, la culture dominante, les cultures dominantes, sur l'alimentation, les pauvres, ils ne savent pas se nourrir, etc. etc. On ne pose jamais la question et on ne se pose jamais la question pour les dominants, puisqu'on se dit, ils et elles ont accès à tout, vraiment. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est même pas une question de temps, ce n'est pas une question de savoir, de background, de compétences, etc. Et pourtant, ils et elles ne le font pas, parce qu'en fait, ils ont le privilège de ne pas avoir à le faire. Et quand vous avez aujourd'hui encore en poste des ministres ou des députés élus qui sont d'une profonde ignorance et même d'une débilité profonde. On l'a vu avec la campagne législative en France, là, il y en a, mais ils ne savent pas aligner trois mots. Et ils sont parachutés candidats au RN, et les gens ont voté pour eux, quand même. Et on se dit, ah ouais, donc en fait, on se tire une balle dans le pied aussi, quoi. Mais on ne va jamais leur poser la question de ça. Et ce que j'aime dans le cinéma, notamment le cinéma de genre sur Eat the Rich, c'est que c'est à la fois une plongée dans ce monde très fermé dont vous parliez, dont tu parlais, cette reproduction sociale, cet entre-soi total où on se marie que entre soi, et on va là-dedans, et comme tu le dis, on disrupte, on déglingue tout, donc c'est à la fois une vision, quelque chose où on arrive qu'on, nous, on ne verrait pas, ne venant pas de ces milieux-là, et on arrive, et en plus, on fait tout péter, et c'est assez jouissif, quoi. Je pense que c'est le sublime mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup à vous.